Yo tout le monde, c'est Lionel Paul et je suis pour une vidéo en mode devient intelligent pour l'épisode 15 et aujourd'hui on se retrouve en deuxième round contre les Sénateurs d'Ottawa. On a seulement eu deux victoires de plus qu'eux. Dans la saison, ils sont les deuxièmes au classement général. On va aller voir au pire leur meilleur pointeur. Je pense que je suis allé voir dans l'épisode, si je me trompe pas ou non, pas en tout. Dans la saison régulière. Ils ont Victor Bartley, meilleur pointeur et Radim Verbata qui sont sûrement été cherchés comme agent libre. 72 points. Rick Carson, 67 points. Bobby Ryan, 62 points. Seulement 13 buts pour un sniper, c'est assez bizarre. Zibanejad, 32 buts, 61 points. Carl Torres, 50 points. Shane Prince, oui. 47 points. Mike Hoffman, seulement 13 buts. Qu'est-ce qui se passe avec Mike Hoffman? C'est bizarre les simulations dans les jeux. Mark Stone, 36 points. Chiasson, 32. Si on check leur défense, à quoi que ça ressemble? Carson, Workosh, CC, Method, Jared Cohen, puis Victor Bartley. Je pense que notre défense là-bas, la leur. Même si Carson doit être une coche au-dessus que Subban. Après, nous, ça serait. C'est qui? Ce serait genre Manta, même qu'il y a aucun Workosh, CC. Même calibre que Pouliot environ. Méthode, le même calibre que. Je sais pas, je me rappelle même plus de notre défense, malheureusement. Je suis un con, là. Attaque, premier trio, c'est Barbata, Ryan, Zibanejad, Torres, Prince, puis Stone, Hoffman, Chiasson, Smith, Lazar, Greening, Neil, genre. Ils ont quand même une équipe assez équilibrée. Quand je vais voir les stats en série, c'est ici. Je peux aussi aller voir les autres équipes. Oui, parfait. Sénateur Ottawa. Mike Hoffman. Ok, Hoffman, c'est une machine en série. Sean Prince. Mais désolé, si je nomme Prince. J'ai de la misère à son corps, les noms. Verbata, CC, Carson, Torres. Non, je vais juste retourner voir. On va faire une réunion d'équipe. J'étais sûr qu'on se qualifierait pour le prochain tour. L'équipe est dans une bonne dynamique en ce moment. Malgré les moments difficiles, nous avons gagné avec des joueurs solitaires. Cette équipe a soulevé des montagnes. C'est la fois que j'ai vu, je me demande encore si c'est dans le nouveau. C'est rien de moi. Par contre, on a gagné quand il fallait. Ça. Parfait. Bon, je vais juste revoir les trios avant le début de la simulation pour me remémorer un peu qu'est-ce que ça donnait. Donc, Panarin, c'était sur le premier trio. Un but, 5 passes. Patcherty, c'est vrai, il faisait rien. Il n'y a pas encore un point. Même De La Rose a plus de points que lui. On va peut-être descendre Patcherty sur Gallagher aussi, il fait rien. Bennett, il est quand même produit quand même bien. Galchenyuk aussi. Eichel, c'est une machine. Morin, y'a rien. Moore, pis ça. Okay. On va laisser Pacioretty là. Peut-être juste le changer de bord, ça va changer de quoi. Gallagher aussi, il pose pas tant que ça. Puis mettre Exposo là. Exposo quand même deux buts. Puis on doit scorer de buts sur ce trio là. Y'a Bennett qui score, mais Pacioretty il fait rien. Donc. En plus, c'est un trio jeune, même si Gallagher il a 24 ans là. C'est quand même. Des jeunes joueurs, Darren Deeds que j'adore quand même assez bien. Manta, Wisniewski, ok c'était Wisniewski notre autre défense que j'avais complètement oublié. Puis dans les nets, on va laisser Rameau, non on va redonner le net à Price. Puis si ça se passe mal, on va remettre Rameau dans le filet. C'est quand même Price, le meilleur goaler de la ligue. Donc on va essayer de profiter quand même de ça, même si Rameau à date c'est une goal extrêmement bien. Donc première game face aux Sénateurs d'Ottawa. Eux aussi ont gagné en 7. Donc but, simulé période. Après une période c'est 2-1 pour nous. Jérémy Morin ce dernier trio, Verbata leur scoreur. Et Derek Pouliot qui redonne devant. Et donc deuxième période c'est 4-2, ok. Curtis Lazar, Gallagher, puis De La Rose. En fond, en date, les changements ont porté fruit.
Même le price de but en 15-16, hein, au moins on mène, là. Mais si on n'aurait pas scoré 4 buts, on gagnerait pas, là. Powerplay, on peut-tu scorer notre powerplay? On a vraiment de la misère avec le powerplay, malheureusement. On a-tu un. Je pense qu'on a un but en powerplay depuis le début des séries. Donc, il faudra peut-être aller voir de ce côté-là. Et Price, on a un powerplay en fin de game. Ils n'ont pas décidé d'enlever leur goal là. Oui, Pacioretty. Pacioretty! Qui d'autre que Max Pacioretty pour scorer un but? Wow! Attendez, là. C'est un miracle. De la Rose, 3 points. Hey, quel changement qu'a apporté Fruit. Regardez-moi ça. Quel troisième trio. Pouliot, 2 points. Morin, 2. Pacioretty, son premier point de série. Il fallait que ça soit un filet de 1. C'est un point quand même. Donc, on mène 1-0. Déjà, en partant, on gagne la première game. Ce qui est très bien. On commence la bonne façon, là, la deuxième ronde. Contre les Sénateurs. Donc, première période, 1-0. Alex Galchenyuk qui score. Et c'est 12 à 7 les shots. Jack Eichel qui score avant que j'aille le temps de simuler. Après la simulation, Dominic Moore, c'est le dernier trio qui score à la même place que Jack Eichel. Puis Galchenyuk a scoré où, là? Ok, pour prendre tout à la même place. Reprendre simulation, oui, désolé, j'étais dans de la misère. Et Carl Exposo qui score en début de période. Waouh, les changements ont l'air d'avoir vraiment porté fruit. Price qui tient le fort devant le net. Bon, je sais qu'avec Ramos, c'est une valeur sûre. Et 5-0, Alex Galchenyuk encore. Et c'est un. Waouh, ok. J'arrivais peur parce que Ottawa, ils n'ont pas une très bonne équipe. Et Jérémy Morin qui score encore sur le dernier trio, 6-0. J'avais peur de la deuxième ronde. Parce que c'est quand même ils ont fini deuxième dans notre division. Comparé à Tampa qui ont fini dernier dans l'Est pour la qualification des séries. Moore 2 points, Galchenyuk 2 points, Exposo 2 points, Eichel 2 points. Panarin, puis tout, Pacioretty une pause. Donc les changements ont l'air d'avoir porté fruit. Mais là, qu'est-ce que j'aimerais faire, c'est modifier le powerplay. Parce que si je vais voir dans cette équipe, puis powerplay, on a seulement 3% de powerplay, 11%, on doit être les derniers. On doit être dans les derniers, dans le fond. Oui. Mais les sénateurs aussi, leur powerplay marche pas, donc ça c'est bon. Mais on va faire un petit move. Voir qu'est-ce qu'on peut améliorer de ce côté-là. Donc ça serait dans unité spéciale. Donc oui, petite coupure. Darren Deese, on l'enlève. Il est trop défensif. Fait qu'on s'en met Manta. Après si c'est lui qui. Ouais, c'est lui qui est l'autre. Bon, je suis con. Donc on va faire ça. On va mettre Oxposo à la pointe. Je pense que ça peut. Peut-être qu'il est allié droit Oxposo. Et puis je mords comme un son, comme un con. Carl Oxposo, changé sur cette ligne. Donc on va voir si ça marche. Peut-être ça va rien changer. Peut-être même. Eichel est rendu 90 overall, qui est extrêmement bien. Non, quand je suis con. Attendez. Bon, ça comme ça. Ouais, on va essayer ça et voir si ça marche. C'est parfait. Et on simule. On va simuler l'autre game. Là, on s'en va à Ottawa. Bon, on a l'avance de 2-0. C'est pas négligeable, mais faut pas s'asseoir sur notre avance quand même. Faut bien jouer, surtout à l'extérieur. Donc, première période, 2-0 pour eux. Eric Carson, Bobby Ryan, qu'est-ce que j'ai dit? Mais là, il nous domine complètement. 14 à 5 les tirs. Ah, reprendre simulation. C'est ce bouton-là, ouais. Deuxième période. 3-2, ok, parfait. Jack Eichel, Cody CC, encore Jack Eichel, parfait. Notre premier trio marche. Là, on a l'avantage d'un net. Craig Anderson est vraiment pas bon. Pourquoi la simulation a arrêté? Ah, ok, c'est juste parce qu'elle lève super lentement. Ah, on remonte les tirs, il manque un but. Ce serait parfait d'avoir un power play et qu'il débloque. Et là, personne n'a l'air de vouloir se lever. Pacioretty, t'es où? Où est Pacioretty? Galchenyuk, y a-tu quelqu'un? Allô? On a un deep play. Ah, 3-2. 34 shots.
Ah, oh, c'est parce que les deux buts, ils nous ont rentré dedans ben raide. Parce que les partisans gueulaient au début de la game, puis ils encourageaient leur équipe, c'est pour ça. Ça leur a donné confiance. C'était le septième joueur, comme on dit, dans le domaine du hockey, où je me trompe complètement. Première période, 2-2. Max Pacioretty qui score en partant la game, ça c'est bon. Carl Torres qui score tout de suite après. Dominic Moore et Zibanejad qui score en fin de période. Deuxième période, oui, Alex Galchenyuk qui marque, qui nous donne les devants 3-2, on les domine complètement dans les deep play. Et il score en power play. Bobby Ryan, ça c'est rose. Non, c'est pas en power play, sinon il a réécrit. Mais power play, nous, faut qu'on score, faut qu'on score. Et on a pas s'en profiter. 36 à 19 les shots, come on. Ah ouais, Galchenyuk, mais un autre. Pacioretty, t'es le capitaine de cette équipe-là. Lève-toi dans la chambre. Là, simulation en pause. Pacioretty, faut que tu te lèves dans la chambre. Puis faut que tu fermes la gueule à tout le monde qui chiale. Faut que tu ailles voir Udon, Eichel, De La Rose, Panarin, parce que quand même Panarin, c'est quand même une recrue. Darren Deed, c'est tout. Faut aller voir tout le monde, puis tu montres c'est qui le chef dans la chambre, puis que les jeunes doivent se bouger le cul, puis scorer un but, là. Ah, on s'en vient, c'est 50 shots, et Eric Carson qui score en power play. Mike Hoffman, 3 points. C'est pas notre équipe, ça. Mike Cole, il a 2 points quand même, on suppose aussi. On en retourne à Montréal. On va prendre ça relax. On va aller modifier le deep play. On s'est quand même carré 2 buts en deep play. Oh my god, ça fait chier. Là. On menait 2-0, c'est rendu 2-2. Donc De La Rose, on va enlever Panarin. On va monter Moore ici. On va en mettre Moore au centre. Parce que Panarin, c'est pas vraiment un joueur défensif. On va mettre Gallagher. Non, on se met de Pelly. Non, Morin même. Donc Morin, on va enlever. Téléphone qui sonne. Merci. On va enlever. Qu'on pourrait enlever. On va enlever Beaulieu. Hey, calice. Répondez, tabarnak. Oh. Darren Deeds, on va le mettre en deep play. Là, faut gagner ce match-là. Ce match-là est crucial. Simulation du match. Donc, première période. 0-0. Ça, il nous domine complètement. Hein, 16 à 5. Qu'est-ce que c'est ça? On n'est pas capable de shooter. Mais on score Artemi Panarin qui score, oui. Après la deuxième période, c'est 3-1, Panarin. Après, Cody s'y sent encore, mais Galchenyuk qui est encore Panarin, ça c'est bon. Peut-être le fait d'avoir enlevé Panarin en deep play, ça enlève plus de. Ça enlève de la pression du côté défensif. Mais là, Zibanejad qui réduit l'écart à seulement un but. Power play pour eux. Les changements en deep play, on a l'air porté fruit. Power play, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, ils ont scoré en power. Ils ont scoré en deep play. Tabarnak, c'est 3-3. Là, on a un deep play. Ok, c'est bon. C'est 3-3. Faut pas perdre ce game-là. C'est crucial. Faut que Panarin fasse son tour de chapeau. Moi, je vais simuler la période. Non, fuck off. Si je simule la période, ça va être gauche et le punch. Et Karl Oxposo qui donne qui nous donne la victoire. Oh my god. Oh, Panarin qui a connu une sale game. Ah, là, c'est quoi? C'est 3-2 la série, oui. On peut en finir à Ottawa. On n'a pas su gagner encore une fois à Ottawa. C'est seulement les équipes qui jouent à domicile ont gagné. On va aller voir les stats des joueurs après 12 games. Ça de là. Donc, Eichel 15 points. Panarin 11 points. Galchenyuk 10 points. Oxposo. Qui a débloqué 9 points, Gallagher 7 points, Moore 4, Pouliot 5, De La Rose, où est Pacioretty? Pacioretty, c'est dans 3 points en 2. Vous êtes. Darren Deeds, il n'y a pas un point, mais ça, c'est son jeu défensif que j'aime. Il est plus 4, c'est très bon. Beaulieu, seulement un point, malheureusement. Manta, 2 points aussi. Il me déçoit un peu. Faire une réunion d'équipe.
Ah, que les gars, si on gagne ce soir, on passe au tour suivant des séries éliminatoires. Alors, qu'on en finisse. Et si on joue intelligemment et que tout le monde se rend concerné, on gagnera. Prenons le match comme qu'il vienne. Parfait. Donc, à l'attaque, je vais pas bouger. Je vais pas toucher ça. Ça défense peut-être parce que Manta et Beaulieu, ils font vraiment rien. Peut-être si je descends. Pouliot, à quoi que ça reste? Pouliot a 5 points. C'est juste ça. Bon. Le match crucial. Match numéro 6 à Ottawa au... je me suis quoi le nom d'Ariana, malheureusement. Désolé pour les fans des Sénateurs. Première période. 2-1 pour eux. On les domine d'un tir. Je peux-tu voir les buts? Oui. Mike Hoffman, pas joli qui score, ok. Mais Mike Hoffman qui score une autre fois. Calice. C'est Mike Hoffman. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait... Non, ok. Choix de vitesse. Simuler période. 5. Oh my god. 5 à 1. Oh my god. 5 à 1. Est-ce qu'on met Carrie Rameau pour le match numéro 7? Gallagher qui réduit les cons, mais 5-2. Comment tu vas remonter ça en 8 minutes? Tabarnak. Oh my god, qu'est-ce que c'est ça? Hey, 6 à 1, Mark. On a enlevé notre goaler. Mark Method qui score à 2 secondes. Ok. Donc, allons mettre Carey Rameau dans les nets. Ça va être une décision difficile à prendre. Là. 905 pourcentage arrière, 975. On va simuler jusqu'à la date, puis ils vont sûrement remettre Price. Fait qu'on va remettre Rameau aussi. Réunion d'équipe. Ça doit jouer un match crucial, puis tout. C'est très désagréable d'être sur le point de se faire éliminer des séries et nous avons les moyens de faire monter la. Et pour... Hein? Que c'est con. On va mettre ça là. C'est le match numéro 7. Mais si on gagne, on prolonge pas la série. Hein. On prolonge les séries, mais pas la série. Ah, donc on va aller voir si Rameau est encore dans les filets. Non, comme j'ai dit, ils ont mis Price comme une cave. Donc, match numéro 7 à Montréal. Faut gagner. Donc, première période, 2-0 pour nous. Artemi Panarin, Carl Exposso. Ça a vraiment été l'équipe choix de missiles qui gagnait la game. Faut profiter de ça. Donc, deuxième période, 2-2, Carlis, Carl Torres, puis Eric Carson. Enfin, je me roule la gueule. Powerplay pour eux, mais là, powerplay tout de suite après pour nous. Et Sam Bennett qui score en powerplay. Enfin un but en powerplay. C'est tellement le moment idéal. 9 minutes, oui, désolé, je vais trop en avance. 7 minutes. 5 minutes, let's go. Faut garder l'avance. Et Artemi Panarin qui score, c'est 4 à 2. Ils peuvent remonter là. Mais on a gagné en 7 games contre les Sénateurs d'Ottawa. Carrie Rameau qui nous donne une 4e victoire en autant de matchs. Nos 4 victoires ont été à domicile. Et Max Pacioretty 2 points, Panarin 2 points, Eichel 2 points. Il était temps qu'on gagne, que nos joueurs produisent tout simplement. Et quelle équipe allons affronter? Nous allons affronter en troisième ronde. Les Flyers de Philadelphia. Waouh! Qui ont. Waouh! Une fiche de 8-3. Donc, pour le prochain épisode, j'essaie de le sortir le plus tôt possible. Là, on est mercredi. Je vais sortir la vidéo peut-être. J'essaie de la sortir pour jeudi. Je sais pas, non, ça pourra pas, il va être toujours ici. Pour vendredi, donc, il va être dimanche. Vous allez avoir l'épisode 16 du prochain épisode. Ben, vous allez avoir le prochain épisode, dans le fond. Puis, je vais simuler les séries le plus vite possible. Puis, prendre ça relax après. Donc, je vous dis... Non, même pas. Même pas. Est-ce que... Au dernier épisode, on s'est rendu à 53 likes, je pense. Est-ce que on peut se rendre à 40 likes cette fois-ci? 50 ça a été exceptionnel, puis maintenant genre ça drop, battre 50 ça serait parfait, mais je vais pas faire comme tout le monde, battre le record de likes, non, 40 likes ça serait parfait pour
Kariramo, Paturity qui a débloqué. Price qui a plus ou moins bien goalé, une couple de la game. Panarin qui a produit en fou pis tout. iCold qui est une machine. Donc c'est juste pour ce 40 likes pour eux. Si on peut se rendre, ça serait parfait. Et je vous dis ciao à tout le monde et à la prochaine.